Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée de Xavi Hernandez au FC Barcelone. Mais avant de parler de Xavi qui est selon moi un excellent milieu de terrain, je t'invite comme d'habitude à liker cette vidéo si elle te plaît et de t'abonner à la chaîne en activant la cloche, c'est très important, je compte sur toi. Et nous les mecs, on est prêts pour parler de Xavi Hernandez au Barça. Le rêve de bon nombre de fans du FC Barcelone est de voir Xavi Hernandez prendre les rênes de l'équipe première pour assurer la succession de Ronald Koeman. Ce dernier n'est pas considéré comme l'homme idéal pour mener le Barça là où le veulent les dirigeants. Après la défaite à domicile contre le Bayern Munich en Ligue des Champions 0-3, le nom de Xavi Hernandez revient encore sur les lèvres. Selon Francisco Javier, ancien coach de l'équipe réserve, l'actuel entraîneur d'Al Sadd devrait s'installer un jour sur le banc catalan. Xavi sera tôt ou tard l'entraîneur du FC Barcelone à lâcher le technicien dans des propos rapportés par la Cadena Ser. Sans doute une façon de mettre la puce à l'oreille des dirigeants du Barça. Selon les informations d'El Confidencial, le président du Barça, Juan Laporta, ne privilégierait pas encore cette piste pour la succession immédiate de Ronald Koeman. L'ancien numéro 6 du FC Barcelone est lui actuellement à la tête d'Al Sadd au Qatar, mais aurait selon certaines sources une clause lui permettant de partir libre si son ancien club venait à lui faire appel à ses services. Xavi Hernandez pourrait bénéficier de son passé de joueur ainsi que ses excellentes relations avec Jordi Cruyff. Maintenu au poste d'entraîneur de Barcelone cette saison, Ronald Koeman n'est pas sûr de rester longtemps au poste. En effet, la radio Onda Cero explique que le président Juan Laporta serait prêt à lancer Xavi Hernandez, l'ancien milieu de terrain reconverti en coach, tant espéré par les fans malgré le fait qu'ils soutiennent le technicien néerlandais en place. D'ailleurs, Xavi et Laporta auraient déjà évoqué le sujet selon la radio espagnole qui affirme que la direction catalane a des doutes quant à la capacité du néerlandais Ronald Koeman à atteindre les objectifs fixés. Voici en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Comme d'hab, dis-moi ton avis dans les commentaires. Est-ce que Xavi Hernandez au Barça en tant qu'entraîneur, c'est une bonne idée? N'hésite pas aussi à lâcher ton plus gros pouce bleu, de t'abonner à la chaîne en activant la cloche, c'est très important. Je compte sur toi, j'ai envie de te dire à la prochaine et salut.